Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc après presque un mois d'absence, je reviens sur ma chaîne. Je voulais remercier les personnes qui m'avaient fait des dons, les personnes qui m'avaient envoyé des messages. Voilà, donc j'ai déménagé. Bon, là j'ai pas encore mes meubles, mais ça va arriver. Et donc, bon, bah, écoutez, je me suis installée comme j'ai pu. Je vous fais partager ce joli kimono que j'ai depuis des années, qui est un kimono de mariage. C'est un kimono japonais que j'avais acheté chez un antiquaire. Et en fait, c'est un kimono qui apporte la richesse, la prospérité. Voilà. Et c'était pour vous donner aussi beaucoup d'énergie par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, parce que je sais qu'il y a des énergies qui sont extrêmement changeantes. J'ai regardé aussi d'autres consoeurs, et pendant en fait le temps où j'étais en train de m'installer, donc je suis actuellement en Belgique maintenant, à Bruxelles, et donc en fait pour continuer mon projet et notamment créer ma fondation. Voilà, donc on va commencer les tarots. Alors, je vais changer d'angle. Voilà, alors peut-être que vous allez peut-être voir mes chaussettes ou je ne sais pas. Mais, voilà, donc en fait, j'ai ramené en fait un super bouquin que je vous recommande, c'est vachement bien. C'est le livre des symboles. Et donc en fait, on va voir aujourd'hui les symboles. Ah, et bien écoutez, c'est la main. Donc c'est la main, donc ça va s'adresser peut-être à des artistes ou à des écrivains ou à des gens qui veulent ouvrir leurs mains. Donc en fait, ça concerne eh bien les premières mains, c'était sur les grottes. Voilà, c'était lorsque en fait on écrivait, on va dire, une certaine forme de conscience. Et c'est aussi, en fait, la main de Dieu, et qui dénote aussi un acte suprême et inexorable. C'est l'instrument primaire de la créativité. C'est aussi le modelage mythique de la matière. Donc, c'est aussi les divinités qui rentrent dans la réalité. Ça peut symboliser aussi des mains peut-être ligotées ou des mains absentes, et donc peut-être l'incapacité de saisir et d'appréhender le monde, de concrétiser ses désirs et de, en fait, de former en fait son esprit à partir de la matière. Donc souvent les mains parlent avec un silence éloquent. C'est aussi la main jointe des amants. C'est aussi la main réconfortante. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire aussi, ça peut être aussi la main du Bouddha, la main aussi qui va traverser en fait une certaine forme de récit, quelque chose qui va être raconté, quelque chose qui va être écrite. Il y a aussi, par exemple, chez les Inuits ou même en Indonésie, puisqu'en fait on est sur un tissu indonésien, là. Ça peut concerner en fait les mudras, ça peut concerner les traditions hindoues et bouddhiques, et en tout cas qui symbolisent par la position des mains des rituels de dévotion. Donc ça peut aussi être les mains jointes pour faire des prières à Marie. Et donc c'est aussi la main, c'est la transmission de la part des anciens à leur descendance. C'est aussi des gestes de vénération. Et c'est aussi, en fait, la main, c'est aussi le signe de la reconnaissance. Voilà ce qu'on pouvait dire, en fait, pour aujourd'hui. Alors, ensuite, je vais prendre Marie. Alors, Marie de la Nouvelle Vision,
Donc je dépose mon œil sacré ouvert dans ton cœur afin que tu puisses me voir. Donc en fait là, ça va symboliser les personnes qui vont pouvoir extérioriser en fait leur lumière intérieure. Abandonne les petits rêves et deviens réceptif à la nouvelle sagesse. Mon œil dans ton cœur voit une grande beauté. Vois-tu émerger la nouvelle vision? Le temps est maintenant venu d'oser rêver, de prier avec vigueur et conviction pour que la vision la plus merveilleuse que tu puisses recevoir prenne vie pour le bien de tous. Donc voilà, donc là on parle vraiment en fait d'un moment dans votre vie où en fait une nouvelle vision est nécessaire. Que vous connaissiez ou non votre tribu d'âme maintenant, ou que vous attendiez d'attirer ou d'être attiré par ces âmes, que vous assisterez en fait sur votre chemin de vie, il faut soutenir justement cette vision qui est allumée comme un interrupteur. Alors ça va faire référence à une de mes abonnées. Et donc, en tout cas, on peut dire que ce point de vision commence à poindre. C'est une vision nouvelle, une vision de luminosité et de bonheur qui peut être profitable à tous. Voilà, donc il ne faut pas se préoccuper de la manière dont cela va se réaliser. Quand une vision vient du cœur sous forme d'inspiration, et donc en fait dans la religion catholique, en fait c'est la Sainte Mère qui vous envoie discrètement des images mentales vous expliquant ce qui se passera si seulement vous les laissez couler en vous afin que vous puissiez devenir tout ce à quoi vous êtes destiné. Donc en fait il y a des personnes qui vont prendre conscience en fait de leur chemin de vie. Il n'y a rien qui soit trop simple ou trop grand, ce qui importe n'est pas l'envergure de la vision, mais une participation suffisante de votre cœur pour qu'elle puisse vous émouvoir, vous pousser à prier de tout votre être pour demander l'aide de la mère afin d'être capable de l'extérioriser. Donc là, on parle bien d'extérioriser en fait cette lumière intérieure, et c'est intéressant parce que chez les Juifs, il y a eu la fête de Rosh Hashanah, donc la fête des nations, où en fait justement on demande aussi à ce que cette lumière de la Torah en fait puisse s'extérioriser. Donc voilà. Alors, donc ça c'était l'oracle de Marie, Mère Universelle, et évidemment il y a aussi les cartes qui correspondent. Alors j'ai un nouvel oracle en fait, c'est le Viking. Ou Yi Qing. Alors, je ne le connais pas très bien, mais vous allez voir, les cartes, en fait, elles sont vraiment intéressantes parce que elles sont très, très visuelles. Donc là, en fait, on est sur la carte numéro 8 que je vous montre. Alors, ce qui va être intéressant avec cet oracle, c'est que vous allez devoir avoir beaucoup d'imagination. Donc en fait cet oracle numéro 8, ça veut dire aussi qu'il y a un cercle, donc vous voyez, qui se termine, où vous êtes en train de redéfinir un nouveau cercle, donc on va dire une nouvelle possibilité, hein, de nouvelles perceptions. Et donc là vous êtes en train de soit de fermer un cycle, soit de redessiner quelque chose de complètement nouveau. Et en fait on voit ce personnage qui est en train de passer justement dans ce cercle, vous voyez. Donc en fait on va dire qu'on peut passer aussi une porte. 8, évidemment, on est sur la lettre hébraïque Het, on est sur de la justice, on est sur le chakra numéro 3, on est sur des personnes qui sont en train de clôturer une situation, et en même temps vous êtes en train de récupérer une certaine vitalité après un enfermement. Vous êtes en train d'ajuster en fait les conséquences des événements. Et donc, en tout cas, pour vous maintenir en fait au centre. C'est aussi la carte de la moralité, de la loi, de l'ordre. En tout cas, ça va être un tissage pour en fait créer quelque chose de complètement différent. Et donc, il va falloir que vous ayez confiance en votre propre décision.
Donc voilà, et donc on peut dire aussi que pour d'autres, vous allez avoir des dédommagements. Ça peut être des dédommagements matériels ou ça peut être des dédommagements par le biais en fait de personnes extérieures qui vont s'offrir à vous par rapport à des actions que vous avez entrepris. Donc voilà, je mets ici. J'espère que vous voyez bien mes cartes. Voilà. J'ai mis un petit ganache d'ailleurs. Voilà. Ensuite, donc là, nous sommes sur la carte numéro 16. Donc la carte numéro 16, évidemment, c'est la lettre hébraïque Aïn. C'est aussi la maison Dieu, c'est aussi l'œil. C'est Yézed, dans la Kabbale. Et donc, en fait, ça correspond à des personnes qui vont être beaucoup plus dans la compassion. On est à la fois entre le chakra numéro 7 et le chakra numéro 8. On est sur une prise de conscience, on est sur la destruction du soi, on est au bord de l'abîme. Vous voyez, on est en train de couper, voyez, par rapport à cette carte, vous êtes en train de couper par rapport en fait à un passé, peut-être par rapport aussi à des racines. On est sur l'extension du soi, on est sur l'extension aussi de quelque chose de nouveau. On est en train de se détacher de quelque chose qui était limitant. Parce que, en fait, eh bien, vous avez pris conscience que finalement, tout ce qui s'était passé, peut-être, dans un passé proche était assez faux. Et pour d'autres, vous êtes, encore dans une certaine forme de dévastation. On va dire que le réveil est douloureux. Et donc, c'est le réveil de la compréhension. Vous allez avoir, ou vous avez actuellement, un éclair de lumière et pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé et pour certains, eh bien, vous allez tomber dans une certaine forme de disgrâce, voilà, parce que c'est la maison Dieu. Mais bon, voilà, le typhon, c'est la révélation. Donc ça, c'est la carte 16. Là, nous avons la carte numéro 14. La carte numéro 14, ça correspond à Noun. C'est très intéressant justement parce qu'il y avait une fête juive hier. Et donc en fait, ça concerne aussi la tempérance. Et donc en fait, ça dépend de quelle façon vous allez prendre les choses maintenant. Voilà, donc en fait, ça implique une certaine forme d'élévation aussi. Et vous allez faire place nette, hein. C'est pour ça qu'en bas de la carte, vous voyez, il y a un cercle blanc qui se dessine. On est à la fois sur le chakra du cœur, hein, on est sur Tiferet, on est en train d'harmoniser les mixtes, hein, voilà, on est sur la libre circulation au niveau du cerveau, on est en train d'essayer de récolter en fait sa pensée. On est dans les fluctuations, on est sur une certaine forme d'adaptation, d'habileté. Et on est sur un processus aussi de création. Voilà. Donc là, vous êtes en train de créer en fait quelque chose qui est plus grand que finalement la somme de toutes les parties. Voyez. Donc en fait, pour d'autres, vous allez être dans la méditation. Vous allez avoir une approche beaucoup plus éclectique en fait de votre vie. Et donc, en tout cas, c'est un passage entre deux mondes. C'est un passage entre le vice et la vertu, pour certains. Et donc, en tout cas, il y a un équilibre entre deux formes de conscience, justement, pour arriver à cette élévation. Et la troisième carte, qui est à l'envers, c'est la carte numéro 17. Et donc, c'est la lettre hébraïque peu, hein, c'est donc l'étoile, c'est la bouche, mais elle était à l'envers, vous voyez? Donc en fait, là, ce que l'on peut dire, c'est que par rapport justement à cet équilibre, à cette tempérance, eh bien là, vous allez, pour certains, vous percevez en fait une certaine voix intérieure.
Vous allez avoir confiance dans votre destinée, hein, puisque dans le tarot, c'est l'étoile. Et donc, en tout cas, vous n'osez pas révéler visiblement un secret, ou quelqu'un n'ose pas révéler quelque chose. En tout cas, c'est une énergie qui se déploie chez certains masculins pour qu'il y ait peut-être un événement qui va se profiler, un événement fortuit. Étant donné que cette carte est à l'envers, il y a certains masculins, mais je vous dis, ça peut être des féminines, puisqu'en fait, on est tous dans le même bateau, hein, vous avez bien compris. Eh bien, il y a des gens qui sont assez pessimistes par rapport à une transformation qui normalement devrait être en fait un véritable espoir. Et donc, on peut dire aussi qu'il peut y avoir en fait un certain pessimisme actuellement, parce que justement cette carte est à l'envers. Mais on va voir un petit peu plus loin. Alors, je tiens à dire, je ne sais pas combien de temps cette vidéo va prendre, parce qu'en fait, c'est ma vidéo de rentrée, hein, donc voilà. Alors là, c'est un nouveau tarot que j'ai eu pareil dans une petite boutique. C'est le tarot initiatique des Bohémiens. Alors, il y a des cartes, évidemment, vous allez le voir, mais enfin, des cartes, je veux dire, un petit peu comme des cartes à jouer, parce qu'à la base, c'est un jeu. Donc là, on est sur l'équivalent d'un 8 de coupe. Donc en fait, on est en train de passer à autre chose. Donc c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on avait 8 ici. Donc en fait, il y a une décision qui est en train d'être prise, en tout cas par certaines personnes. Ce 8 de coupe, évidemment, eh bien, on quitte une situation douloureuse émotionnellement, sentimentalement. Alors, là, on est sur un œuf de cœur. Donc, en fait, on peut dire que par rapport en fait, à une prise de conscience pour certains masculins, mais je vous dis, ça peut être des féminines, eh bien, vous allez être dans un équilibre émotionnel, vous allez être dans une introspection au niveau sentimental. Ensuite, là, j'ai un 2 de coupe. Donc en fait, là, ça concerne par rapport à de la tempérance, eh bien, vous allez être beaucoup plus équilibré, on va dire, par rapport à une relation sentimentale qui est une connexion particulière, hein, puisque c'est un 2 de coupe. Ça peut concerner les âmes sœurs, une connexion particulière, les flammes jumelles aussi. Et par rapport justement à ce 17 inversé, le 17 inversé, je vous avais dit, on est plus, voilà, on est un petit peu désespéré. Et ça concerne en tout cas un valet de pique. Donc en fait, ça concerne en fait une personne qui a reçu ou qui va recevoir un message qui l'a profondément un peu altéré, on va dire. Par rapport à un message. Alors ça peut concerner une personne qui a pris conscience par rapport à une féminine et par rapport à une relation particulière sentimentale ou émotionnelle. Et ça concerne en tout cas en fait un message qui vous a mis soit dans l'embarras, soit un message en fait qui vous a mis dans une certaine dépression, une certaine morosité. Alors on va continuer avec, où est mon tarot? Parce que là, je les ai tous mis un peu n'importe comment. Donc, il y a des personnes par rapport à à une connexion particulière qui sont dans une certaine forme d'élévation. Dans une certaine forme d'équilibre, on va dire, émotionnel. Vous avez vu, je vous ai mis mon petit ganache. Alors,
Alors, donc là, nous avons 6, 7, 8, 9. Ah oui, on est sur un 9 d'épée. Donc vraisemblablement, il y a certaines personnes qui dorment très mal. Un 9 d'épée, évidemment, on est toujours sur le mental et en même temps, on est très très bousculé, on va dire, par l'émotionnel et aussi par une dualité. Le 9, évidemment, on est sur la carte de l'ermite hein, dans les tarots. On est aussi dans les lettres hébraïques, on est sur la lettre hébraïque tête. On est sur le chakra de la racine et en même temps, on est sur le chakra numéro 6 qui correspond au troisième œil. Donc, en fait, on est sur Yézod et on est sur l'Ajna. Ce sont des personnes qui vont avoir une vision stratégique. Vous allez faire sortir la sagesse de la boue, hein, il est temps. Et ça concerne en fait des gens qui sont en pleine introspection par rapport à leurs expériences du passé. Et donc, vous allez avoir le besoin de découvrir votre propre voie. Il peut s'agir aussi de personnes qui sont en pleine recherche d'elles-mêmes, ou vous recherchez peut-être un mentor ou encore un sage. Et vous allez prendre. Voilà, vous allez en fait introspecter sur les leçons apprises par le passé, mais aussi par rapport à votre arbre transgénérationnel. Vous allez avoir un développement spirituel, vous allez aller à la découverte de vous-même. Voilà, c'est neuf. Et donc tout cela va se faire dans une très grande discrétion. Alors là, on est sur un 2 de bâton. Donc en fait, le 2 de bâton, eh bien, vous êtes sur un choix. Vous êtes sur un choix par rapport à une prise de conscience, quelque chose qui vous apporte beaucoup de satisfaction. On va dire que cette introspection va vous permettre de prendre une décision, hein, c'est pour ça qu'on a la carte numéro 8, hein, évidemment. Vous allez dessiner un nouveau chemin. Ensuite, on a effectivement la maison Dieu. Là, elle est à l'envers. Ça concerne en fait par rapport à un 2 de coupe, hein, donc par rapport à une relation sentimentale particulière. Et donc, ça veut dire aussi que vous êtes qu'après en fait à une prise par rapport à une prise de conscience, hein, par rapport à l'ouverture du troisième œil de l'ajna, eh bien. Eh bien, vous allez aller vers un équilibre en fait émotionnel. Et il y a des personnes en fait qui vont vraiment, on va dire, nettoyer leur passé. Hein, je veux dire. Alors, il y a certaines personnes, je vous dis, cette prise de conscience peut vous mettre dans une certaine difficulté émotionnelle, difficulté aussi dans la matière. Voilà, il y a des personnes qui peuvent avoir leur vie assez dévastée. Et donc là, on est sur un 5 de denier. Donc en fait, par rapport en fait à par rapport à un courrier ou par rapport à un message, vous êtes donc pour certains dans une certaine forme de désespérance. Et effectivement, avec le 5 de denier, ça peut concerner des relations sentimentales, mais aussi ça peut être aussi des problèmes d'argent aussi qui sont dus aussi à la maison Dieu inversée. Par rapport en fait à un choix que vous avez fait, vraisemblablement il y a des personnes qui sont en train de travailler par rapport à leur relation à l'argent aussi ou à certaines valeurs que vous posez en fait sur la matérialité. Alors, je continue. Donc là, nous sommes sur un 4 de coupe inversé. Donc ça concerne donc la carte numéro 46. Donc en fait, on est en train de 4 évidemment, c'est Dalet.
en lettres hébraïques. Donc en fait, on est bien dans le chakra numéro 8. On est bien sur, mais en même temps, on est aussi sur le cœur. Et donc, en tout cas, elle est inversée. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont perdu peut-être leur pouvoir de création, qui sont sur un passage, qui veulent visiblement concrétiser certaines choses. Il y a des positions de... Il y a des gens qui sont en train de changer aussi leur position de commandement, ou peut-être qu'ils avaient perdu un certain pouvoir de commandement. Ça peut concerner aussi par rapport à de la loi ou par rapport à de la justice. Et donc, en tout cas, c'est des personnes qui vont être... par rapport à des nouvelles connaissances, vous allez vouloir avoir de nouvelles personnes autour de vous, visiblement. Et c'est pour d'autres, vous avez eu en fait, on va dire, un réseau relationnel qui vous a mis dans beaucoup d'ennuis, beaucoup de tracas. 4 et 6, ça fait 10. Donc, en fait, on va dire que cette situation est karmique. Voilà. Donc là, effectivement, par rapport à un 2 de bâton, eh bien, on est sur de l'indécision. Donc là, on est sur un 7 de bâton. Vous avez essayé les pourparlers, vous avez essayé d'être assez souple avec des personnes de votre entourage, peut-être vos connaissances ou peut-être des membres de votre famille. Et donc, en tout cas, cela a, on va dire, mal tourné, hein, puisque on est sur de l'indécision par rapport à cela. Le 7 de bâton, eh bien, la lettre hébraïque, c'est Zaïn, mais elle est renversée, donc en fait, ça a provoqué des blocages. On est toujours dans le chakra numéro 3, donc en fait, on est bloqué pour avancer. Vous aviez peut-être envisagé de trancher dans une situation, et c'est pour ça que vous étiez dans une certaine forme d'indécision aussi. Puisque le 7, évidemment, le 7 de bâton, c'est aussi la lettre hébraïque, je vous dis, Zaïn, et c'est aussi le chariot dans le tarot. Et donc, en tout cas, tout cela vous a fait perdre votre confiance en vous, et aussi, vous êtes senti déséquilibré. Ça concerne en tout cas des voyages et ça concerne des affaires en cours, des affaires professionnelles. Et donc, vous étiez aussi peut-être dans l'indécision pour d'autres par rapport à un déménagement. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a des personnes qui vous ont bloqué vraisemblablement par rapport à cela, parce que vous n'aviez pas encore eu l'ouverture de l'ajna, l'ouverture du troisième œil justement par rapport à ce choix. Alors, 7 et 2, ça fait 9, hein, donc ça fait 9 de bâton. Et donc, en fait, on peut dire que vous arrivez à la fin d'un cycle, et on a un 9 ici, un 9 d'épée et un 9 de bâton. Donc, en fait, on est à la fin d'un cycle correspondant en fait au mental, et en même temps sur en fait une situation d'enlisement par rapport à une indécision. Alors là, c'est la carte numéro 29, donc en fait, on est toujours dans... ça fait 11, évidemment. C'est par rapport, en fait, à un choix aussi relationnel. Et donc, en tout cas, on est sur on va dire, là, vous êtes en pleine prise de conscience. Donc là, ça concerne une reine de denier inversée, ça concerne une femme brune, mais elle peut être blonde. Donc voilà, en tout cas, vous êtes tombé de haut, visiblement, par rapport à une femme de votre entourage qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a visiblement mis dans une certaine forme d'indécision. Et donc, en tout cas, c'est une personne qui vraisemblablement vous a bloqué dans votre évolution, vous a bloqué aussi sur une relation
je veux dire, sentimentale très forte, hein, sur un 2 de coupe. Et donc 6 et 5, hein, ça fait 11 aussi. Donc en fait, ça concerne toujours la prise de conscience. Donc là, pour certains masculins, certains hommes, et ça peut être aussi des femmes, vous êtes en train de prendre conscience qu'une femme, en tout cas de votre entourage, une femme qui visiblement a de l'argent ou a une position sociale importante, eh bien, vous a bloqué vraisemblablement dans votre élévation. Ensuite, là on est sur la carte numéro 21, ça concerne donc en fait un despote africain, donc ça parlera à certains. Donc en fait c'est un homme qui a du mal à avancer parce qu'il est sur une dualité du mental. Ça concerne donc une personne qui aimerait communiquer mais vraisemblablement qui n'ouvre pas la bouche, qui est plutôt désespérée on va dire, ou dans le désespoir. C'est une personne qui était beaucoup dans l'arrogance, beaucoup dans le, on va dire, les représentations sociales. C'est un carte numéro 21, on est sur la lettre hébraïque Shin. Shin, évidemment, c'est la danse, c'est le feu. C'est aussi dans les cartes du tarot, le fou. Et donc, en tout cas, là, vraisemblablement, on est aussi sur le chakra sacré. On est sur un potentiel de transmutation par rapport à un homme, par rapport à, visiblement à un message, par rapport aussi à une représentation, on va dire, des valeurs matérielles, des valeurs sociales. Et donc, en tout cas, c'est un homme visiblement qui, au niveau du mental, il y a des dissensions et c'est un homme qui est au bord du précipice. Donc voilà, c'est un homme qui est en pleine transformation. Et donc, en tout cas, c'est un homme qui va traverser ses peurs pour avancer. C'est un homme qui est en pleine destruction aussi de ses structures mentales du passé. Pour, on va dire, rendre les choses assimilables. C'est pour ça que la lettre hébraïque numéro 21, en fait, correspond évidemment aux dents ou à la dent. C'est l'assimilation, évidemment, et ça permet, en fait, eh bien, les champs du possible, comme l'on dit. Et donc, en tout cas, cet homme, visiblement, pour acquérir une certaine liberté, on va dire, intellectuelle, va être dans l'impulsivité. Pour ça, en fait, qu'on a deux chevaux et vous voyez, il y en a un qui va à droite et l'autre qui va à gauche. Alors, je continue. Bienvenue sur mon tapis volant. Donc là, nous avons un roi de baguette à l'envers. Alors, je vous mets à l'endroit parce que c'est quand même plus agréable. Voilà. Donc en fait, eh bien, donc c'est un roi de bâton qui est à l'envers. Donc en fait, on va dire que ben, les choses n'avancent pas. C'est quelqu'un qui vraisemblablement se pose énormément de questions. Hein. On est en pleine introspection, on va dire, de sa vie. Hein. Voilà, on est en train de repasser toutes les épreuves de sa vie. Et donc pour le moment, en tout cas, bon évidemment, cette carte va se retourner. Après, c'est un dos de deck. Et c'est quelqu'un qui, visiblement, a traversé un certain désert, passionnel, vous voyez. Et donc, c'est aussi une personne qui réfléchit avant, évidemment, de planter de nouveaux projets. Alors, donc là, effectivement, on a un 6 d'épée qui est à l'envers. Donc un 6 d'épée, évidemment, eh bien, ce sont des personnes qui veulent partir, qui veulent s'en aller de cette situation. Mais nous avons évidemment l'indécision qui est à côté. Donc en fait, on est sur des personnes qui sont en plein choix avec le 2 de bâton.
voyez, vous êtes en plein choix, messieurs, mais ça peut être aussi mesdames, par rapport à de l'indécision, par rapport à des blocages. Et c'est pour ça que cette carte, en fait, est à l'envers. Le 6 d'épée, évidemment, tout cela, c'est une question de mental. Le 6, nous sommes sur la lettre hébraïque Vav, on est sur le chakra du cœur, donc en fait on est bien sur l'amoureux. On est bloqué par rapport à un désir de réunion pour chercher l'amour aussi. Et donc en fait vous cherchez aussi, on va dire, à être les deux parties d'un même tout, hein, voilà. Et on va dire aussi que cette séparation va mener au désir. Donc il y a ça. Donc on est bien sur des hommes qui sont en plein examen. C'est très minutieux, ça concerne un engagement. Et ça concerne notamment un engagement d'amour malgré les différences. Voilà, donc là on est un petit peu dans la tempête émotionnelle et sentimentale. Même beaucoup. Là, nous avons l'alchimiste à l'envers. Donc, l'alchimiste à l'envers, eh bien, évidemment, on est sur la carte numéro 1. Donc, en fait, on n'y est pas, hein, on piétine, on s'enlise. Voilà, on s'enlise par rapport justement à une femme qui vous a fait beaucoup de mal. Vous êtes vous êtes au bord du précipice. Hein. Bon, je vous dis pas que vous êtes Socrate et que vous allez boire la ciguë, mais vraisemblablement il y a une vraie prise de conscience. Mais on n'est pas encore sur, on va dire, on n'a pas encore toutes les cartes en main, en tout cas pour être dans cette transformation alchimique, hein, voyez. On est juste avant. Dans la Torah, on pourrait dire on est un peu avant Bereshit, hein, on est un peu avant l'alchimie, le mix, on va dire, des contraires, l'union. Donc voilà. Donc là, l'alchimiste est à l'envers. Donc en fait, voilà, il y a une certaine forme d'enlisement. Et donc là, nous avons l'étoile qui est aussi à l'envers. Alors c'est assez intéressant parce que vous voyez, on l'a quand même deux fois l'étoile à l'envers. Donc en fait, on est vraiment sur des hommes et ça peut être des femmes par rapport à, on va dire, un message. Vous êtes dans une certaine pauvreté affective, sentimentale, émotionnelle, et donc voilà, et donc ça concerne évidemment aussi une connexion au divin. Il y a des gens qui cherchent mais qui trouvent pas en fait la clé pour leur élévation. Ça peut concerner une femme aussi, une femme qui est visiblement très abondante et avec lequel vous n'avez plus beaucoup d'espoir, pour les masculins en tout cas, mais ça peut être aussi pour les féminines, hein, je vous dis, vous êtes homme-homme, femme-femme, ça dépend. Et donc là, on va dire que ça concerne évidemment l'assimilation des structures mentales du passé. Et donc en fait, là, il va falloir que vous trouviez un nouveau chemin neuronal. Et ça concerne, et vous allez le trouver avec un message, vraisemblablement. Peut-être un message que vous n'osez pas envoyer ou peut-être en tout cas une situation que vous n'osez pas, dont vous n'osez pas parler. Mais vraisemblablement, vous allez vraisemblablement partir de cette situation avec le 8 de coupe. Je continue. Alors là, nous avons à l'envers toujours, c'est le roi de bâton. Voilà, le roi de bâton à l'envers. Donc je vous le mets à l'endroit parce que ce tarot est très beau. Voilà. Donc, écoutez, on a deux fois le roi de bâton à l'envers. Vous voyez, on l'a deux fois. Et deux fois dans le dos de deck.
Alors, ben là aussi, c'est la même chose. Alors, c'est assez intéressant, justement, parce que, eh bien, visiblement, vous souhaitez avancer, vous souhaitez avancer en tout cas sur vos projets, de vie. Je vous dis, les messages, c'est aussi bien pour les féminines que pour les masculins. Je veux dire, il n'y a pas de, voilà, c'est des histoires énergétiques. Et vraisemblablement, vous voulez avancer aussi. Par rapport à par rapport à de l'introspection, par rapport à des choses qui se sont déroulées dans votre passé, voilà et vraisemblablement, il y a en tout cas beaucoup de projets qui sont en bah, qui vont se dessiner hein, puisque les cartes se retournent hein, puisque là on est vraiment on est sur l'équivalent de Bereshit, c'est-à-dire on est entre deux, on est entre le fou et en fait un nouveau cycle hein, comme on a vu et tout cela est évidemment extrêmement karmique hein. Et vraisemblablement vous avez des projets par rapport à des sentiments qui s'éclaire ou ça peut être aussi on va dire des sentiments assez purs. Voilà, et vous êtes en train de cheminer. Voilà. Alors, donc là, on a la carte du monde. La carte du monde, alors c'est hyper intéressant évidemment, puisque là en fait évidemment dans le tarot de Nefertari, on est bien sur en fait une transformation. Voyez, vous êtes, alors c'est intéressant parce que là on a parlé de Noun, mais c'est Inanna. Et donc là, vraisemblablement, il y a une vraie transformation qui s'opère, voyez, avec Osiris en bas, en bleu, voyez. Donc en fait, vous êtes en train de traverser. Alors il y a la nuit noire de l'âme, on va dire des transformations karmiques. Et visiblement, en tout cas, vous êtes en train de cheminer par rapport à cela, et c'est pour ça qu'on a la carte numéro 16 qui est Aïn, qui est la maison Dieu, qui est l'œil, et on va dire que par rapport à cela, vous allez vous ouvrir, voyez, parce que là le monde en fait il est dans le bon sens, et vraisemblablement en fait vous allez clore aussi un cycle de transformation. Ensuite, donc là, à l'envers, nous avons le valet de coupe. Donc, en fait, le valet de coupe à l'envers sur l'alchimiste à l'envers. Donc, en fait, bien, ça concerne en tout cas des... le valet de coupe, c'est une personne qui arrive mais qui n'est pas sûre de lui. Donc là, clairement, eh bien, cette personne n'arrive pas. En tout cas, elle est bloquée. Elle est bloquée, vraisemblablement. Elle était bloquée par justement une femme qui a causé beaucoup de problèmes, en tout cas à certains masculins. Et donc, vraisemblablement, vous avez beaucoup de mal à écrire, visiblement, puisque là, c'est un scribe hein, que l'on voit, à écrire en fait un message. C'est normal, hein, puisque nous avons l'alchimiste à l'envers, et donc, évidemment, eh bien, la transformation n'est pas encore effective, vous êtes toujours dans l'indécision. Ensuite, là nous avons le valet d'épée. Hein, donc, le valet d'épée, ça concerne évidemment un message. Donc le valet d'épée et le valet de pique, évidemment, c'est la même chose. Voyez, donc en fait, on est bien sur une personne qui veut communiquer par rapport visiblement on va dire, une étoile. Ça peut être, mais là, elle est à l'envers, cette étoile. Donc voilà. Donc c'est une personne aussi qui est en train de regarder de la manière dont il va trancher dans cette situation. C'est pour ça qu'on est toujours sur les dissensions du mental, mais vraisemblablement c'est une personne évidemment qui se retourne sur son qui va à la fois vers son passé et en même temps vers son avenir. Voyez, la carte est assez intéressante de ce point de vue-là. Ce sont des hommes vraisemblablement ou des femmes qui ont deux projets
en main. Voilà. Donc il y a un projet qui concerne le passé, un projet qui concerne visiblement le présent ou le futur. Et on va dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà. Alors ensuite, on va continuer avec... Alors, donc là nous avons un œuf de coupe. Donc on l'a deux fois le œuf de coupe. Donc en fait, on va dire que c'est un homme, une fois qu'il aura pris, on va dire, sa décision, eh bien, parce que là on est sur un œuf, donc en fait on est toujours sur l'introspection, eh bien, vraisemblablement, en fait, eh bien, ça va être très positif, en tout cas, pour lui. Vous voyez, il est bien installé. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a à la fois quelqu'un qui est bloqué, on va dire, dans la matière, avec les bâtons à l'envers, mais en même temps, d'un point de vue sentimental, c'est quelqu'un qui est en train de prendre une décision importante, un engagement soit avec lui-même par rapport à ses, on va dire, à son émotionnel, soit c'est quelqu'un qui casse complètement, en fait, son ancienne structure mentale, son ancienne façon de vivre aussi. Donc là, on est sur la jeune fille de denier à l'envers. Donc par rapport en fait au monde et par rapport à une indécision, eh bien ça concerne pour des masculins, ça concerne justement des jeunes filles, donc des personnes qui sont plutôt, on va dire, fraîches. Mais ça peut être aussi des femmes qui peuvent avoir des projets qui commencent aussi. Donc voilà. Donc la jeune fille de denier en fait est inversée pour le moment évidemment puisque on va dire les masculins vous n'avez pas encore pris de décision, vous êtes dans l'indécision par rapport au fait de partir d'une situation et vraisemblablement avec cette jeune fille ou cette jeune femme de denier évidemment ça va être aussi une certaine ouverture que vous allez avoir. Là, nous avons le 10 d'épée. Hein. Donc là, on est vraiment en pleine transformation. On est en pleine transformation par rapport justement à une prise de conscience. Ça peut être par rapport à une élévation. Vous êtes en pleine transformation aussi. Vous finissez un cycle par rapport justement à la prise de conscience d'une relation karmique. Ça peut être aussi une relation d'âme sœur, une relation de flamme jumelle. Vous finissez un cycle par rapport à une femme brune hein, pour d'autres, ou ça peut être un membre de votre famille ou une relation qui est très proche de vous. Vous êtes pas encore accompli dans votre transformation intérieure, mais en tout cas, vous allez y arriver. Et on va dire que on va dire la clôture du cycle est complètement karmique puisque c'est 10. Et 10, en fait, on est sur la lettre hébraïque Yod, on est sur la roue du karma. Ça peut concerner des personnes qui peuvent être dans la culpabilité, puisque iode, ça signifie aussi le doigt pointé, en fait, et ça signifie aussi Yud-Kevav-Ké, le tétragramme divin. Et donc, ça veut dire aussi que vous allez être dans l'impulsion initiale, hein, c'est normal, puisque en fait, on est sur l'alchimiste à l'envers. Donc, vous allez avoir en fait une impulsion et qui va vous aider en fait à sortir d'une certaine forme de fatalité ou d'un mauvais sort, on va dire. Et ça concerne en tout cas un essai, vous allez essayer quelque chose. Sur en fait une nouvelle idée et ça va tracer votre destin.
Et vous allez avoir de la progression dans la chance aussi, ou en tout cas des opportunités, des nouvelles connaissances. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a deux fois l'étoile à l'envers, et évidemment les cartes vont se retourner dans l'avenir, hein, bien sûr. Ça ne va pas rester comme ça. Et donc là, on est sur un 6 de bâton. Donc là, c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, le 6 de bâton, ça correspond à un homme qui est en vue, un homme aussi qui veut peut-être montrer, on va dire, des choses, qui veut exprimer des choses qu'il n'a pas dites. Et ça concerne visiblement le rapport à la société. Le 6, évidemment, je vous dis, c'est Vav, hein, on est dans le chakra du cœur, on est dans l'amoureux. Ça concerne un désir de réunion, hein, avec une femme. Et visiblement, en tout cas, cette décision est très difficile à prendre parce qu'il y a autour de vous, pour certains masculins, eh bien, évidemment, des personnes qui ne vont pas être d'accord avec vos choix. Ça concerne un dilemme. Et donc, ça concerne aussi l'élévation spirituelle. Ça concerne en fait de faire sortir en fait sa lumière. Vous voyez, c'est assez, ça va un peu dans tous les sens. Alors, je continue. Je vais prendre mon oracle perso. Voilà. Alors quand je serai un peu mieux installée, je ferai mon oracle perso, je vais l'éditer, parce qu'à chaque fois je le dis, mais j'ai eu tellement de choses que... Alors je vous montre, voilà. Donc ça, c'est bon, pour ceux qui arrivent, c'est des choses que j'ai dessinées moi-même. Alors, l'âme-cerveau nous permet de créer et de vivre dans la joie. La liberté de nos pensées est la clé de notre joie. Bon, bah écoutez, oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour certains masculins, mais aussi pour des féminines, eh bien, vraisemblablement, bah, pour l'instant, vous êtes en pleine introspection par rapport à votre création. Vous voyez, il y a beaucoup d'orange. Et en fait, autour, vous avez beaucoup d'émotionnel et vous avez des prises de conscience, petit à petit en tout cas, qui arrive, et en tout cas vous allez vers la liberté de penser, voilà. Et ça va être une vraie clé en fait pour vous dans votre vie. Je la mets là, voilà. Alors donc là, donc je vous montre la carte. Mon âme cerveau a mal à la tête quand papa me dit qu'il y a un secret. Alors je préfère dire que à la base c'est quand même un, on va dire, un oracle pour les enfants. Hein. Donc là, bah, écoutez, on est avec des masculins, mais aussi peut-être des féminines qui sont à fond dans le mental. Vous voyez, donc là, il y a le mental qui vous broie en fait votre tête. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes avec le 10 d'épée, vous avez du mal à dormir. Et donc visiblement, vous dormez mal, certes pour certains masculins, parce que vous avez un secret. Vous avez un secret, le secret évidemment, ça correspond à visiblement à une jeune fille ou à une femme, une fille de denier, et vraisemblablement cette personne soit habite très loin de chez vous, soit c'est une personne qui n'est pas du tout, enfin voilà, ça concerne le monde, et ça peut concerner aussi peut-être des voyages en tout cas, vraisemblablement. Mais en tout cas là, on est sur une prise de conscience par rapport à cela. Et donc là, on est sur cette carte-ci, qui est à l'envers. Alors, les réponses de mon âme-cerveau ne sont pas pour les enfants. Ma vie me fait grandir très vite. Donc, on va dire que par rapport on va dire à un 10 d'épée, eh bien, en fait, il y a une personne, il y a un homme, mais ça peut être une femme, eh bien, voilà, vous êtes un petit peu bloqué, on va dire, dans une situation. Et vraisemblablement, vous ne voulez pas parler de cette situation à vos enfants. Et ça concerne aussi, vous ne voulez pas parler aussi de votre élévation et ou de votre relation avec une femme
soit une femme toxique qui vous a mis dans un certain embarras, soit ça peut être une relation, on va dire, type flamme jumelle, âme sœur. Voilà. Et donc, on peut dire aussi qu'il y a des hommes qui se rendent compte que finalement, eh bien, ils ont été extrêmement naïfs. Ma vie me fait grandir très vite, la carte est à l'envers. Donc, en fait, vous n'avez pas grandi très vite. Vous êtes resté, on va dire, peut-être dans une certaine forme de confort. Et donc là, par rapport justement à un message... un message qu'un homme vraisemblablement veut envoyer, pour lequel en fait il a beaucoup de problèmes, on va dire, psychologiques ou tout simplement des blocages du mental, eh bien on a cette carte-ci qui est très explicite. Je ne vois jamais mes parents. Eh bien oui, donc en fait toute cette situation est due pour certains masculins, mais aussi pour des féminines, parce que vous avez été dans l'abandon quand vous étiez plus jeune, et donc tout cela a été, tout cela en fait a développé cette situation. Et vraisemblablement, vous prenez beaucoup à cœur en fait. Tous les conseils que vous recevez de la part des personnes qui vous entourent, de vos connaissances, de votre cercle relationnel, de votre cercle aussi familial. Et donc tout ça, visiblement, en fait, vous met dans une certaine forme de sacrifice ou de dépendance, et où vous vous sentez abandonné tout simplement actuellement. Alors, je vais continuer. Hop. Mais en tout cas, la liberté que vous allez acquérir dans la façon dont vous allez réfléchir, en fait, ça va vous apporter les clés de la joie. Donc là, effectivement, on est toujours avec Cindy Cherman. Il y a un mois, j'ai tiré à peu près cette carte-ci. Eh bien, donc en fait, ça concerne visiblement, vous voyez, des personnes qui ont eu des problèmes relationnels avec leur mère, hein, puisqu'on voit très bien sur cette carte qu'il y a une femme centrale qui tient justement un bébé avec un sein. Et donc, en fait, vraisemblablement, ce sont des masculins, mais aussi des féminines qui se font des films ou qui endossent des personnages. Hein. C'est tout à fait, en fait, les projets artistiques et les installations de Cindy Cherman qui vous dit « Ne soyez pas vous-même, soyez vous-même, dites la vérité dans toutes vos fictions. » Regardez-vous bien dans le miroir d'un autre. Et oui, bien sûr, puisque les personnes que vous avez en face de vous, eh bien, ne sont que le reflet de ce que vous êtes. Et vraisemblablement, eh bien, là, on vous demande, en tout cas, par rapport aux fictions, aux projections que vous avez faites, eh bien, de vous dire tout simplement la vérité, hein, vous mettre devant votre glace et vous dire finalement qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Alors... Donc là, nous avons Andy Warhol. Donc vraisemblablement, ça concerne donc des artistes. Ça concerne des secrets par rapport à des personnes qui sont artistes. Donc là, en fait, visiblement, vous allez un peu changer votre façon de vous nourrir, puisque on vous dit mangez le dessert en entrée, laissez un peu de temps à vos 15 minutes. Et oui, parce qu'il y a visiblement, il y a des masculins, des blonds, hein, ça ou des châtains, mais ça peut être des bruns aussi, visiblement qui portent beaucoup de lunettes de soleil, visiblement qui se font beaucoup de films et qui endossent beaucoup de personnages. Et vraisemblablement, ils endossent des personnages parce qu'ils ont un secret. Et vraisemblablement, ils sont énormément dans leur mental. Et on vous dit « vouloir vaut parfois mieux qu'avoir ». Et donc, je vous dis, ça concerne aussi des hommes, ça peut être des femmes, qui sont, on va dire, qui ont une relation à la matérialité
Et vraisemblablement, ça les empêche d'être, on va dire, dans la volonté, ça les empêche en fait visiblement de sortir d'un cercle karmique, d'un cercle vicieux. Et donc, bah, pour d'autres, manger des bananes. Voilà. Ensuite, on a Edward Munch. Edward Munch à l'envers, donc c'est une bonne nouvelle. Visiblement, il y avait des hommes qui n'avaient pas envie d'écouter peut-être des messages ou d'écouter des choses qu'on leur a dites. Ça concerne évidemment, bah, ça les angoissait, hein, tout simplement, d'écouter peut-être des choses vraies, d'écouter la vérité. Et donc là, vraisemblablement, cette carte est à l'envers. Et donc, un visage composé n'est pas toujours signe d'une âme apaisée. Donc, ça veut dire que, on va dire, par rapport à un émotionnel ou par rapport à des sentiments, eh bien, en tout cas, certains hommes vont aller vers plus d'apaisement. Et donc, pour certains, eh bien, vous criez beaucoup, vous avez beaucoup crié dans votre oreiller. Et vraisemblablement, maintenant, eh bien, vous ne criez plus dans l'oreiller, visiblement, vous criez aussi peut-être sur certaines personnes, vraisemblablement. C'est pour ça qu'on a la maison Dieu qui est un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Et donc, en tout cas, bien, vous avez demandé à votre anxiété de prendre la pause, évidemment. Donc, vous êtes en train de lâcher, on va dire, vos peurs, tout simplement avec Edward Munch. Ensuite, donc là, il y a vraiment des personnes qui ont une certaine élévation. Donc là, on est avec Mondrian, Piet Mondrian. Donc voilà, donc c'est par rapport en fait à des personnes qui sont, on va dire, dans une certaine forme de sacrifice et d'abandon. Et donc évidemment, là, on vous dit, bon, pour tous ceux qui sont, on va dire, dans le mental, hein, bloqués dans le mental, hein, bloqués dans des toiles de Mondrian aussi, la logique doit venir du cœur, la vraie simplicité demande beaucoup de concentration. Oui, tout à fait. Quand on est dans l'épuration, évidemment, on se libère de beaucoup de choses et souvent des chemins neuronaux que l'on fait eh bien, sans arrêt et puis finalement, ça n'apporte rien. Il y a peut-être aussi des personnes aussi qui se libèrent de certaines connaissances ou de certains cercles relationnels. Bref, vous êtes en train de jouer, on va dire, au Rubik's Cube actuellement avec votre mental. Et donc, pour l'utopie, suivez la ligne droite. Ben oui, en utopie, tout va bien, mais quand on va dans la réalité, évidemment, c'est plutôt des contorsions que l'on est en train de faire. Et c'est pour ça qu'on avait aussi les dissensions, évidemment, puisque la ligne droite dans la réalité n'existe pas et qu'on a toujours deux chevaux, un qui va à droite et un qui va à gauche. Donc voilà, après je vais faire hop. Elles ont voulu tomber. Alors, donc ça c'est encore un autre oracle mais que j'ai pas encore fait. Voilà, je vous le montre. Donc là, on est sur les abysses, mais à l'envers. Donc là, bon, bah, c'est toujours l'étoile à l'envers, hein, vous voyez. Donc là, on va dire que bon, bah, il y a des personnes qui sont dans les limbes. Donc en fait, évidemment, la carte à l'endroit, c'est parler pour ouvrir la bouche. Et ça concerne en tout cas l'espoir. Et c'est la lettre hébraïque peu que l'on a évidemment ici aussi. Donc voilà, donc en fait les deux cartes sont similaires. Voilà. Et donc c'est le chakra numéro 5, c'est le chakra évidemment de la bouche, c'est le chakra de la manifestation. Et donc en tout cas, on est bien avec des personnes qui n'arrivent pas évidemment à s'exprimer par rapport à un message en fait qu'il faudrait qu'ils envoient parce qu'ils sont encore dans les abysses. Les abysses évidemment, ça symbolise l'émotionnel. Voilà. Alors, ensuite. Donc, en fait, là, nous avons le parrain. Le parrain, donc, c'est un as d'épée, c'est le chirurgien, c'est quelqu'un qui veut trouver la vérité.
Voilà, on est avec un Andy Warhol qui cherche la vérité, mais il a très mal à la tête parce qu'il y a un gros secret. Vous êtes en train de rétablir l'ordre, ça concerne en tout cas des tensions qui sont autour de vous, vous êtes dans le stress, vous êtes dans l'inaction, ça concerne un malentendu et ça concerne aussi des documents officiels qui vous bloquent. Ensuite, là nous sommes sur la couronne à l'envers, donc clairement il y a quelqu'un qui cherche la lumière mais qui manque de discipline, qui est dans l'indécision, qui est dans le recul. La communication évidemment est perturbée aussi par les gens qui vous entourent. Visiblement il y a beaucoup de vacarme autour de vous. Ça concerne aussi la lettre hébraïque Aïn. Voilà, que l'on avait ici. Et donc, en tout cas, ce sont des personnes qui vont faire beaucoup d'efforts pour sortir la lumière, on va dire dans la cabale, ça se sort évidemment par la bouche, hein, c'est en exprimant évidemment que l'on sort sa lumière, voir, savoir et comprendre ses expériences. Et donc, en tout cas, visiblement, vous allez avoir une certaine victoire parce que vous allez être rigoureux. Voilà. Et donc, ça concerne Yézed dans la Kabbale. Et donc, ça concerne évidemment le chakra numéro 8. Donc, le chakra de la couronne. Et ça concerne en tout cas des personnes qui vont commencer à prendre soin d'eux-mêmes, qui vont être plus dans la compassion et moins dans une certaine forme de dureté, de rigueur, mais mal placée. Voilà. Et ça va vous allez avoir beaucoup de force et beaucoup de stabilité grâce à cela. Donc là, mais là, on n'est pas encore descendu dans le chakra de la couronne, hein, c'est pour ça qu'on est avec l'alchimiste à l'envers aussi. Alors, ensuite, nous avons... Alors, les 7 habitudes des gens à succès, donc voilà, on a des masculins qui font très attention à ce que l'on dit sur eux autour d'eux, hein, voilà, c'est des gens qui sont adulés, c'est des gens qui sont extrêmement regardés, qui sont épiés. Donc voilà, les 7 habitudes des gens à succès, ça correspond évidemment à de la calomnie, à des gens autour de vous qui sont très sournois, qui vous flattent, des gens très hypocrites, hein, des gens qui ont l'esprit mal tourné, des gens qui cherchent à créer des problèmes, des gens qui peuvent vous nuire par des ragots et des gens qui sont menteurs. Alors ça concerne évidemment un chevalier d'épée à l'envers, une personne qui est fat et une personne en tout cas qui délivre des messages qui sont complètement faux visiblement. Donc il y a plusieurs messages vraisemblablement aujourd'hui en tout cas pour des masculins là, visiblement, il y a quelqu'un qui va prendre conscience que, visiblement, ce qu'il ressent dans son cœur, eh bien, c'est pas du tout ce que les personnes, en tout cas autour de vous, vous disent. Alors, ça concerne des conseils qui sont donnés, mais qui sont évidemment des calomnies, des ragots, des gens qui sont dans la manipulation, hein. Donc, faites attention aux messages que vous recevez aujourd'hui, parce que les gens qui vont vous donner ces messages ont l'esprit mal tourné. Et donc, nous avons aussi, alors, les noces alchimiques, hein, donc voilà, ça va faire plaisir aux féminines, mais la carte est inversée. Évidemment, toutes ces calomnies, tout ce qu'on vous raconte, les masculins sur peut-être des féminines, eh bien, c'est pas bon du tout. Ça vous bloque visiblement dans vos noces alchimiques, ça vous bloque dans des alliances, hein, ça vous bloque dans des projets sentimentaux. Vous n'avez plus d'inspiration, vous savez plus où il faut donner de la tête. On est sur la lettre hébraïque Kof, hein, c'est la lettre numéro 19. Ça concerne évidemment le soleil. C'est aussi donc la carte de l'inspiration et de l'illumination, mais là on n'est pas du tout dans l'illumination. Et vraisemblablement, là vous êtes un peu perdu dans votre voie initiatique. Vous êtes en train d'équilibrer les opposés, voilà.
Là, on est en plein chaos, hein, on n'est pas du tout dans l'union psychique des contraires. Mais bon, quelque part, en fait, bon, là, il y a beaucoup de dualité, hein, c'est pour ça qu'en fait, on a la carte de la dissension. Voyez, on est sur la dissension du yin et du yang. Voilà, on est vraiment. Enfin, je veux dire, là, il y a quelqu'un qui se fait énormément malmener autour de lui par son entourage. Hein. Voilà. Alors, ça peut concerner que certaines personnes, évidemment. Alors, je vais prendre mes tarots perso. Hein, voilà. Nous avons un 2 de coupe avec Annie Hall de Woody Allen. Donc en fait, c'est donc là évidemment, ben, on est avec Annie Hall. Donc c'est un film, hein, bien sûr. Donc là, on est sur des personnes qui repensent au passé, à une femme évidemment, une femme pour laquelle vous avez eu un coup de foudre, hein, voilà. Et donc là, vous êtes dans l'incompréhension sentimentale, vous êtes dans la désunion. Il n'y a pas de reconnaissance pour l'autre, et ça concerne en tout cas un homme qui pense que bon bah c'est foutu, hein, voilà, voilà. Et donc c'est visiblement, bah, c'était sur un coup de foudre. Vous aviez peut-être espéré une certaine réconciliation, une certaine compatibilité, mais là, il n'y a pas eu de bonne surprise. Là, Annie Hall, c'est une très très mauvaise surprise. Je vous invite à aller voir ce film qui est vachement bien. Donc voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui est dans le désespoir par rapport à une femme. Alors, ben voilà, something borrowed, hein, voilà, il y a quelque chose qui vous ennuie profondément, hein, les masculins, c'est comme ça. Donc là, bon, ben vous êtes. Oh là, que se passe-t-il? Attendez. Voilà. Donc là, en fait, vous êtes en train de surmonter les difficultés, hein, quelque chose de très ennuyeux arrive dans votre vie. On est sur un 6 d'épée, hein, donc voilà, il y a quelque chose qui ne vous fait pas dormir de la nuit. Vous êtes en train de vouloir tourner la page, hein, c'est pour ça qu'on avait le chirurgien aussi. Vous tournez la page, peut-être aussi par rapport bon, au fait de manger le dessert en entrée. Vous en avez marre d'être formaté par rapport à votre milieu social. Donc en fait là, en fait, il y a des personnes qui vont envisager de voyager, parce que bon, visiblement, soit ils s'ennuient, hein, vous voyez, on a le 6 d'épée aussi, hein, donc voilà, vous êtes dans l'indécision par rapport à un voyage, et où ça concerne en tout cas des personnes qui étaient vraiment beaucoup dans le sacrifice, et donc vous allez sortir de cette situation, et ça va être visiblement un succès. Vous allez devenir le parrain peut-être de votre vie, ou le parrain d'un enfant, ou voilà. Donc là, ensuite, on a sur le 9, c'est dur, mon Dieu, le 9 d'épée, bon, bah écoutez, on a le 10 d'épée, on a le 9 d'épée, hein, je veux dire, c'est costaud là en ce moment, bah, c'est peut-être pour ça que je fais cette vidéo, parce que je l'ai peut-être senti, voilà. Donc là, c'est sur ce que veulent les femmes. Visiblement, il y a une femme qui vous a bah, mal, voilà, qui vous a fait énormément de mal, visiblement. Hein, voilà, une femme brune, hein, une femme qui avait l'habitude d'organiser votre vie, visiblement. Et donc, en tout cas, là, vous êtes dans la tristesse, dans la dépression, dans les obsessions, dans les problèmes. Vous êtes en plein doute de vous-même. Vous êtes hypersensible, hein, vous êtes dans les tourments, hein, voyez. Et donc, en tout cas, visiblement, eh bien, tout cela va vous faire grandir très vite. Vous êtes énormément dans vos peurs, voyez. Vous êtes vraiment dans le mental. Là, il y a des escaliers et puis, visiblement, ça rumine, ça rumine.
C'est très très compliqué. Et c'est par rapport, en tout cas, visiblement, vous avez vous aviez un projet aussi, peut-être, hein, par rapport à un engagement, par rapport à une union. Et visiblement, cette union, eh bien, ça vous a provoqué beaucoup de stress, vous avez eu besoin de vous défendre, visiblement. Vous aviez eu besoin de vous défendre, par rapport à une femme. Et là, visiblement, vous faites le scénario du pire, vraisemblablement. Donc 9 et 6, ça fait 15. 15, on est dans sa mèche. Donc en fait, visiblement, par rapport à une femme, eh bien, vous étiez beaucoup. Soit vous étiez dans les blocages, soit en fait, cette femme était un peu comme un soutien. Mais vous étiez beaucoup dans les dépendances et vous aviez laissé finalement votre liberté, visiblement. À cette femme, vous aviez laissé le volant de votre vie à cette femme. Alors ça peut être votre mère, ça peut être votre épouse, ça peut être votre meilleure amie, une amitié importante, mais vraisemblablement vous vous détachez de cette femme parce que vous êtes en train de prendre conscience et bien de ce que cela vous a enfin occasionné en tout cas. Vous êtes en cours. Et donc là, nous avons le 9 de bâton, donc Million Dollar Baby. Donc pour certains, eh bien un bébé va coûter 1 million de dollars, hein, je veux dire. Et donc ça concerne visiblement des gens qui se sont fait tout simplement plomber dans une situation. Alors voilà, les 7 habitudes des gens à succès. Hein, voilà. Donc en tout cas. Ça concerne en tout cas visiblement des personnes qui vont être dans la patience. C'est vraisemblablement, vous allez aller vers une expérience de sexualité platonique. Vous allez être beaucoup plus serein par rapport à cela. Alors c'est le film Million Dollar Baby, donc évidemment, ça concerne aussi une boxeuse. Ça concerne de l'étranger. Ça concerne. De la lenteur et de la prudence. 9 de bâton, on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Et là, en fait, derrière, il y a des noces alchimiques. Et il y a quelque chose, il y a une union. Hein. Mais là, il va falloir se battre. Hein. C'est pour ça que, bon, alors, il y a des gens qui se battent aussi avec leurs enfants. Il y a des gens, visiblement, qui sont dans la dissension mentale parce qu'ils veulent dire des choses par rapport, en fait. Par rapport à leur passé, le fait ils ont été abandonnés par leurs parents, par exemple. Et puis pour d'autres, ça va être aussi, vous allez boxer contre les personnes qui vous entourent, qui vous espionnent, ou enfin des gens qui sont extrêmement regardés, hein, les gens à succès. Et ça concerne des ragots, ça concerne des gens qui vous ont menti. Alors on va continuer. Bon, je suis désolée, je reçois plein de messages. Alors, il y a des gens qui sont connectés avec moi. Bon, bah écoutez, là, il y a un monde qui s'effondre. Voilà, c'est ma carte, hein, c'est le 3 de bâton. Un monde qui s'effondre. Donc, en fait, vous êtes dans une période de changement et de récupération. Vous êtes en train de vous organiser, vous êtes en train d'organiser des projets, vous êtes dans la patience, vous êtes dans la vigilance. Vous êtes en plein retrait, hein, par rapport à des gens qui vous entourent. Ça concerne aussi pour d'autres, vous êtes dans le retrait d'un conflit. Vous êtes possiblement dans la maladie ou vous avez eu un accident. Et donc l'accident, c'est peut-être aussi une love story qui a mal tourné, hein, tout simplement.
Et donc là, vous êtes en train de nettoyer, on va dire, les vieilles situations. Alors, ça peut concerner en fait un monde qui s'effondre. Alors, j'ai la brindille, donc peut-être que ça va parler à des personnes. Voilà, c'est le passage de l'ombre à la lumière. Donc, il y a des personnes qui sont en train d'essayer de faire sortir leur lumière, mais je vous dis, c'est pas évident. Et donc, en tout cas, c'est pour laisser la place à quelque chose de nouveau. On va dire, c'est un passage de nettoyage. Voilà, je vous remonte la carte. Voilà, vous voyez, les choses sont vraiment en train de tomber. Vous voyez, c'est un peu comme la maison de Dieu. Hein, enfin, c'est ma carte, hein, personnellement. Voilà. Alors là, nous avons deux cartes. Donc, c'est le dernier champ du signe. Hein, vous voyez? Donc, le signe n'est pas très beau. Hein. Donc voilà, donc en fait on est avec une personne, il y a deux cartes, hein. On est avec une personne, une âme torturée, un barbe bleue, quelqu'un qui est un peu farfelu, quelqu'un qui est beaucoup dans son mental. On est sur un 3 de denier, hein, donc voilà, donc ça concerne un partenariat visiblement qui vous a apporté beaucoup d'ennuis, vraisemblablement. Si c'est 3, ça fait 9. Et donc, bah, 9, on est dans l'ermite, hein, donc en fait, on est sur quelqu'un qui est en train de retraverser son passé et qui est en train de jouer les chirurgiens avec Andy Warhol. Et donc là, en fait, là, visiblement, ça concerne une invitation à dîner. Le champ du signe, c'est une invitation à dîner, donc c'est un as de cœur, donc en fait il y a quelqu'un visiblement qui va arriver avec sa coupe, avec une invitation. Et donc visiblement c'est pour certains masculins, eh bien, on va dire un mariage a été repoussé, ça a été un véritable apaisement. Il y a quelqu'un qui va confirmer en tout cas son amour, il y a d'autres personnes qui vont se repentir. Et donc là, évidemment, on est sur mon tarot d'opéra. Hein, donc en fait, c'est un Don Giovanni qui refuse visiblement un amour et donc ou qui a refusé un amour et donc évidemment qui a été brûlé par les flammes de l'enfer. Donc voilà, donc là vraisemblablement voilà, visiblement c'est une personne qui a subi une vengeance. Ouais, il y a quelqu'un qui a subi une vengeance. Mais heureusement, en tout cas, vraisemblablement, ça a été démasqué. Ça a été démasqué. Un as de coupe. Donc, l'as de coupe. Et là, nous avons Einstein on the beach. Donc Einstein on the beach, on est toujours sur un valet d'épée. Hein, donc voilà, il y a quelqu'un qui est sur la plage qui est en train de réfléchir à un message, à un monsieur, un Einstein, hein, quelqu'un qui va avoir une élévation, qui se demande où est la particule élémentaire. Et donc c'est une personne qui fait un rêve éveillé. Hein, c'est Alice au pays des merveilles. Hein, c'est la théorie d'Einstein. Hein, c'est quand on passe de la potentialité au réel. Eh bien c'est la théorie de la relativité. Et donc, en tout cas, c'est une personne qui est en train d'unifier ses champs de force, hein, évidemment, et vraisemblablement, ça concerne quelqu'un voilà, c'est pour ça qu'on a la maison de Dieu à l'envers, hein, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui visiblement était sous substance, on va dire, traversé ses soirées sous substance ou sous alcool. Et donc qui avait échangé un filtre de mort avec un filtre d'amour, donc qui s'était planté deux personnes visiblement. Et donc ça peut être un message en tout cas que quelqu'un écrit sur la plage. Et donc vraisemblablement ce message va comporter aussi, eh bien, on va vous raconter, en fait, des masculins vont raconter à des féminines, bon ben voilà, qu'ils passaient leur soirée sous substance. Notamment. Alors, ensuite, puis il y a quelqu'un qui est en train de se réveiller. Hein. Il y a une élévation, il y a un rêve éveillé. Hein.
Donc là, on a Butterfly hein, de Puccini. Donc je vous invite, j'adore cet opéra, c'est trop génial, Butterfly, magnifique opéra. Donc là, on est sur un 10, alors je sais plus, ah oui, c'est un 10 de bâton. Donc on est sur la fin. Hein, donc en fait, Butterfly, donc ça concerne Pickerton, un officier américain qui épouse une geisha, Madame Papillon. Donc en fait, voilà, il y a une union, il y a des divertissements, c'est exotique. Et donc évidemment, après, c'est un véritable drame avec un abandon d'enfant. Donc on va dire que, eh bien, il y a un homme qui joue Butterfly en ce moment avec un enfant, visiblement, et vraisemblablement, en fait, il va y avoir un abandon d'enfant. Et ça concerne aussi une femme qui pourrait se comporter comme Turandot, hein, vous voyez. C'est une femme qui visiblement a simulé. C'est une femme qui a attiré des prétendants. Pour un homme, visiblement, ça a été une terrible épreuve. Et donc, en tout cas, il y a des hommes, en fait, ils vont être sauvés. Vous voyez, la tête de Turandot, je voudrais pas voir ça dans ma vie, moi, hein, personnellement. Hein. Et vraisemblablement, eh bien, c'est un homme qui, avec le 10 de bâton, en fait, il ferme un cycle. 9 et 10, ça fait 19. Eh bien, vous allez avoir une inspiration, visiblement, par rapport à un enfant. Un enfant qui va vous coûter beaucoup d'argent ou des enfants qui vont vous coûter beaucoup d'argent parce que vous allez être dans une certaine logique avec Piètre Mondrian. Évidemment, la logique vient du cœur, mes amis. Et vraisemblablement, vous allez vous souvenir que vous-même, quand vous étiez jeune, eh bien, vous ne voyez plus vos parents. Et vraisemblablement, visiblement, par rapport à cet enfant ou par rapport à des enfants, eh bien, vous n'avez plus vouloir reproduire visiblement un cycle visiblement qui va s'achever avec une décision qui ne sera pas la décision qui est visiblement avait été prise par vos parents quand vous étiez enfant. Alors visiblement aussi, vous avez aussi un monde qui s'effondre aussi par rapport en fait à une prise de décision par rapport à une femme. Ouais. Ouais. Il y a une grosse période de changement là actuellement pour certains masculins, mais ça peut être aussi pour des féminines. Alors, on va continuer. Je suis désolée pour mon téléphone. Donc là, on est un peu sur l'équivalent d'un as de coupe. Donc en fait, là, il y a des masculins qui ou des féminines qui repensent à un ancien souhait. Deep inner knowing is emerging within me. Et donc là, en fait, vous allez faire sortir, on va dire, votre connaissance intérieure. Par rapport à un ancien souhait que vous aviez. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a un roi de bâton qui est très pensif. Hein, vous voyez, c'est pas du tout. Là, on n'est pas dans la passion, on est vraiment dans la retenue. Par rapport à un ancien souhait. Alors. Hearing message from spirit, eh bien oui, il va falloir que vous écoutiez votre cerveau. Hein. L'âme-cerveau nous permet de créer et de vivre dans la joie. Voilà, vous allez créer votre liberté parce que vous allez vous écouter. Et c'est comme ça que vous allez avoir une certaine élévation et vous allez pouvoir vous calmer au niveau émotionnel. I am a clear channel for message from spirit. Bon, ça peut concerner aussi des messages que vous allez recevoir, peut-être une invitation à dîner.
Coming into power, donc coming into power, donc évidemment il faut revenir dans la lumière, hein, mes amis, arrêter d'être dans la nuit noire de l'âme, comme on dit. Donc là il y a quelqu'un qui joue les Einstein on the beach et qui va revenir dans la lumière parce que en fait il va arrêter peut-être d'être dans le sacrifice par rapport à des femmes. I step into my power boldly and confidently. Et évidemment, y a des personnes qui vont rien dire à personne au niveau de leur révélation, de leur élévation spirituelle. Ensuite, opening to love. Eh bien oui, on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour. My heart is open. Donc en fait, y a plusieurs messages qui vont être on va dire délivrés. Suite, je vous dis, on est un peu dans les abysses, hein, on joue plusieurs personnages, mais en tout cas, vraisemblablement, eh bien, il va y avoir un message d'amour qui va être délivré. Alors, ça peut concerner aussi quelqu'un qui va réorganiser sa vie par rapport à un enfant. Quelqu'un qui va pas vouloir reproduire les mêmes schémas du passé par rapport à ses parents, par rapport aux enfants. Voilà, donc en fait, vous allez, on va dire, prendre les bonnes décisions parce que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur avec Mondrian, évidemment, puisque avec Mondrian, eh bien, nous avons la logique doit venir du cœur, mes amis. Voilà, sinon c'est pas la peine. Et alors visiblement aussi, en ouvrant votre cœur, eh bien, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui ont l'esprit mal tourné concernant des noces alchimiques, hein, concernant visiblement une femme. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre... Hop. Alors, donc on vous dit, toutes les choses doivent être faites avec modération, évidemment. Bah oui, il ne faut pas se précipiter, les amis, hein, ça ne sert à rien. Carte numéro 31, bon, bah, ça concerne la lettre hébraïque Gimel. Donc, c'est par rapport à une femme, visiblement. Visiblement, vous allez faire les choses... petit à petit, avec beaucoup de prudence, et ça va être visiblement la bonne décision. Ça peut concerner évidemment avec la mouette, c'est par rapport à un message. Vous allez revenir petit à petit, hein, évidemment, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, mes amis. Hein. Surtout quand on a un monde qui s'effondre. Donc, c'est carte 31, c'est 4. Et 4, évidemment, on est dans Dalet, hein, on est aussi dans Tiferet avec le chakra du cœur. Et c'est un homme, en tout cas, qui va petit à petit, en fait, faire des... dans ses messages, en fait, il va poser... certaines actions, on va dire, voilà. Il va se positionner. Voilà, et donc ça peut concerner aussi des hommes qui vont se positionner avec... Il y a une histoire de bienfaiteur, vous voyez, il y a une histoire de projet initiatique, il y a une histoire de protection aussi. Voilà. Et on vous dit que c'est le plan divin, mes amis. Bon, bah là, il faut regarder en avant, hein. Look forward, hein. Bon, bah, la tour est détruite, hein. Voilà, et là, il faut... Donc là, il y a quelqu'un qui observe une femme, hein, visiblement. Carte numéro 24, hein. Donc on est 6, donc on est bien sur...
on va dire, une décision, une indécision, quelqu'un qui observe visiblement de sa tour, hein, quelqu'un qui est enfermé, hein, quelqu'un qui ne peut pas bouger, qui est dans une situation assez difficile visiblement. Et c'est quelqu'un qui reçoit visiblement des messages de l'esprit, hein, de son esprit. Voilà, et c'est quelqu'un qui peut être très ennuyé. Hein. Donc là, il est en train de regarder ailleurs, de regarder dans l'avenir. Il y a quelqu'un qui fait des projections. Eh bien, on vous dit de vous engager pour une bonne raison, évidemment. Donc la bonne raison, carte numéro 22, donc c'est intéressant. Elle tombe aussi sur... eh bien, sur le 2 de coupe, hein, le 2 de cœur. Donc, eh bien, il y a une personne qui va s'engager, en tout cas, pour une bonne raison. Cette bonne raison, ça peut être aussi une élévation spirituelle, hein, mes amis. Hein, voilà, donc il y a quelqu'un qui est en train de changer de braquet, visiblement de changer de continent, visiblement, voilà, on a laissé le bateau couler, hein, voilà, c'est la maison Dieu. Et là, vraisemblablement, eh bien, il y a quelqu'un qui est sur le pont et il est en train de se demander, il va à droite ou il va à gauche. Et donc, voilà, écoutez, c'est assez... carte numéro 22, évidemment, c'est le retour, hein, c'est la couronne, c'est l'achèvement, c'est aussi un voyage qui ne se termine jamais, c'est la synthèse des expériences. Voilà, tout est intéressant, on va dire, tout est bon dans le cochon. C'est découvrir aussi les rythmes de la vie, c'est être en pleine conscience, c'est avoir la connaissance, hein, c'est comprendre tout ce dont on a besoin, c'est une carte aussi de réconfort, hein, de commencement, et donc pour certains en tout cas vous allez atteindre vos objectifs, voilà, parce que derrière cette carte du 22 qui est aussi la carte du monde, eh bien vous êtes dans la réussite, et en tout cas vous allez aller vers une certaine satisfaction, et c'est pour ça qu'on a aussi la carte Coming into Power. Voilà, donc ça c'est pour tous les Einstein on the beach. Alors, et donc là en fait on vous dit raise your vibration. Donc voilà, donc là on va être dans l'ouverture, hein, c'est par rapport aussi à ce que je vous ai lu en intro, par rapport aux mains, bah oui, il faut avoir les mains ouvertes, hein, si vous voulez que ça descende. Et donc là, eh bien évidemment, même si vous avez mal aux mains, même si vous avez des gros bobos, eh bien en tout cas, bah, avec les mains ouvertes, eh bien ça va vous permettre de... d'opening to love, hein, d'ouvrir votre cœur à l'amour. Voilà. Et vraisemblablement, il y a des gens qui ont des gros bobos. Hein. Alors, on continue. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre. Tiens, je vais prendre ça. Hop. Et oui, la liberté de penser, c'est la clé de la joie, mes amis. Et pour avoir la clé, ben, c'est la liberté de conscience. Il faut prendre conscience des choses, de toutes les choses. Il ne faut pas s'arrêter en route. Alors, là, nous avons... Donc il y a des gens qui regardent leur boussole, hein, qui se demandent dans quelle direction ils vont aller. Donc évidemment, bah, déplacement, la carte est à l'envers. Hein, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est dans l'indécision par rapport à des choix. Hein, je vous dis, là c'est la carte. Hein. Donc on met ça de boussole, on est en train de se demander quels sont les choix qui vont être faits. Et ça peut concerner aussi, ça peut être par rapport à une femme du passé, une Annie Hall. Donc là, en tout cas, vraisemblablement, par rapport à un monde qui s'effondre, vous êtes dans les démarches écrites. Hein. Vous voyez, là, il y a un vrai recommencement.
Parce que vous avez un ancien souhait, visiblement, qui pointe. Voilà, alors, ouais, c'est ça. Ensuite, bon, la carte est à l'envers, mais elle va se retourner. Donc là, pour l'instant, bien pour certains masculins ou certaines féminines, vous êtes pas encore dans l'indépendance. En tout cas, vous êtes en train de rechercher ça. Pourquoi ? Eh bien, parce que y a un monde qui s'écroule, mais on est en cours. Hein. L'écroulement se fait, on va dire, dans le silence. Par rapport à une femme, vraisemblablement, qui vous a fait beaucoup de mal. Et vraisemblablement, vous êtes en période de transformation. Ça peut concerner aussi des enfants. Hein. Vous êtes complètement dépendant de vos enfants ou dépendant de votre famille. Visiblement, vous commencez en tout cas à écouter des choses, hein, avec Edward Munch. Et vous allez finir... comme Einstein on the beach, dans un rêve éveillé, évidemment, puisque vous allez avoir une très grosse prise de conscience, messieurs et mesdames, avec la théorie d'Einstein, évidemment, parce que vous allez comprendre que les potentialités, eh bien, ça vient de vous, et ça vient de votre cœur, et ça vient, évidemment, de votre volonté. Et donc, vous allez petit à petit, en tout cas, cheminer vers une indépendance d'organisation. Et cet engagement... pour une très bonne raison, en tout cas, que vous allez faire dans votre vie, ça concernera en tout cas votre indépendance. Il y a des gens qui veulent rester indépendants et vraisemblablement, vu ce qui s'est passé ou vu ce qui se passe en ce moment dans leur vie, vaut mieux. Et donc là, en fait, vraisemblablement, vous allez être aidé par une personne de votre entourage, quelqu'un qui a une certaine clairvoyance ou carrément une chamane ou une psychologue, voilà, quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui vous donne de bons conseils. Et ça va être à la nouvelle lune, vraisemblablement, il y a des choses qui vont arriver. C'est par rapport en fait à des messages, hein, des messages que vous recevez qui vont vous sortir visiblement de votre dépression ou de votre mental, de vos dissensions du mental. Pour d'autres, vous étiez complètement dans les émotions. Voilà, et vraisemblablement, ça va vous donner une solution par rapport à des enfants ou par rapport à un bébé qui vous coûte beaucoup d'argent. Voilà, et là, visiblement, vous allez comprendre que vous êtes en train de refaire, en fait, alors ça va parler qu'à certaines personnes, vous êtes en train de refaire un schéma que vous avez vécu dans votre enfance, ça concerne un abandon avec des enfants. Et là, vraisemblablement, en ouvrant votre cœur, en étant extrêmement logique, hein, en étant dans « raise your vibration », eh bien, vous allez en fait trouver la clé, la solution. Visiblement, ça va être aussi la solution au ragot et au mensonge et à la calomnie. Ça va être la solution sur une turandote, hein, une turandote qui était dans la simulation, hein, peut-être aussi une femme brune. Et en tout cas, tout cela va être visiblement rééquilibré au niveau émotionnel et sentimental par une chamane. Alors ensuite, hop, j'ai mis mes cartes un peu loin. Gens qui se sont mis à l'arrêt, hein. Il y a des personnes qui travaillaient trop, qui se sont rendues compte que plus ils travaillaient, moins ils avaient d'élévation spirituelle, moins ils voyaient les choses dans leur vie et plus ils se faisaient manipuler. Donc là, vraisemblablement, eh bien, il y a des gens qui prennent une autre voie, hein, et c'est pas le travail excessif, hein, visiblement. Voilà, et ça peut concerner aussi faire les choses avec modération. Et il faut que je vous montre ça aussi, c'est que derrière, évidemment, il va falloir que vous ayez confiance dans le plan divin, mes amis. Alors, ensuite, bon, eh bien, par rapport aux démarches écrites, vous étiez un peu dans la solitude, hein, voilà.
Et donc là, en fait, eh bien, on vous dit d'aller de l'avant, hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous étiez dans l'indécision, ça vous mettait dans la solitude, hein, mes amis. Visiblement, cette solitude, elle a été bénéfique, hein, aussi, puisqu'on a quand même un œuf de coupe, hein, donc visiblement, c'est quelque chose qui vous a apporté ou qui va vous apporter pas mal de choses. Ça va vous permettre en tout cas d'y voir plus clair et ça va vous permettre en tout cas de faire des démarches écrites. Alors, ça peut être des démarches chez le notaire, ça peut être des démarches par rapport à vos enfants, par rapport à votre famille. En tout cas, vous allez aller de l'avant vraisemblablement avec ces démarches écrites. Ça va vous faire un grand bond en avant. Probablement vers votre indépendance aussi. Après une période de solitude où vous avez énormément réfléchi, vous étiez dans l'introspection. Donc, eh bien, bah oui, bah, voilà. Alors, par rapport au fait que vous étiez pas vraiment, enfin, vous étiez pas vraiment indépendant, vous étiez plutôt dans la dépendance, ça concerne évidemment une enfance difficile. Donc, on a ces histoires d'enfants qui reviennent, hein, voilà. Et donc là, vous allez réfléchir, hein, vous allez avoir une illumination, vous allez avoir un rêve éveillé. Hein, je vous dis, c'est Alice au pays des merveilles. Et visiblement, votre vie quand vous étiez enfant, c'était pas Alice au pays des merveilles. Et donc là, vous allez vous engager vers plus d'indépendance aussi parce que vous allez tourner le dos aussi à votre enfance difficile. Voilà. Et donc, après, alors là, il y a aussi la carte est à l'envers, donc fin d'une relation brutale. Donc là, visiblement, il y a une espèce de rééquilibrage par rapport à une fin de relation brutale. Vraisemblablement, ça concerne une femme avec un enfant. Ça concerne visiblement un abandon. Donc par rapport à votre enfance difficile, en fait, vous allez faire le bon choix par rapport à cette relation sentimentale avec cet enfant. Parce que votre cœur va être ouvert. Votre cœur va être ouvert, en fait, par rapport à la fin d'une situation brutale. Parce que vous allez ouvrir les mains, visiblement. Et vous allez être plus dans l'équilibre. Et donc, c'est intéressant parce que cette fin de relation brutale, visiblement, ben, c'est un peu les 7 habitudes des personnes à succès, des gens à succès. Eh bien, ça vous a énormément nui. Il y a quelqu'un qui est en train de vous nuire, vraisemblablement une turandotte, bon, beaucoup d'hypocrisie, un esprit mal tourné, enfin voilà, ce genre de choses. Et là, vous allez être dans la logique de Mondrian, hein, la logique qui vient du cœur, évidemment. Et c'est par rapport au fait que vous avez été vous-même abandonné par vos parents ou vos parents ne se sont pas occupés de vous. Et là, vraisemblablement, il y a un gros rééquilibrage karmique. Et donc, en tout cas, par rapport à une fin de relation brutale, il y a aussi autre chose. C'est que bon, là, il y a des hommes, vraisemblablement, hein, bon, je fais les hommes, ça peut être des femmes, qui sont dans une certaine forme de dépression, hein, puisqu'on a la carte de l'étoile à l'envers, par rapport à la fin d'une relation brutale. Et donc, en fait, on vous dit qu'il faut avoir confiance dans le plan divin, vraisemblablement, parce que ça va, voilà. Il y a des choses en fait qui vont se transformer. C'est un passage et en fait ça va vous permettre visiblement d'ouvrir votre cœur. Alors moi je vous dis ça va vous permettre de sortir en fait votre lumière intérieure. Voilà, je vous dis on est tous des feignants donc tant qu'on nous tape pas sur les fesses et eh ben il n'y a personne qui avance hein, mes amis. Et donc là, visiblement, après une période de solitude, eh bien, vous allez commencer à faire les choses avec modération. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont un accident, visiblement. Il y a eu des gens qui ont eu des séparations, il y a eu des gens qui ont des problèmes, visiblement, avec leurs enfants. Voilà, et en fait, les choses vont se rééquilibrer. Ce qu'on peut dire, on peut dire aussi que le cœur va se recoller, vous voyez?
Donc ça peut être en fait des personnes que vous avez laissées dans le passé et en fait les choses vont se remettre d'une certaine manière parce que vous allez peut-être aussi décider de vous engager aussi pour une bonne raison. Et il y a des gens qui ont des problèmes d'engagement aussi par rapport à leur enfance difficile et c'est pour ça qu'en fait ils avaient du mal à s'engager. La carte, c'est la carte numéro 22, donc en fait, on est bien sur des âmes sœurs, des flammes jumelles, enfin voilà, ce genre de connexion un peu spéciale. Voilà, alors je vais terminer par le keeper mystique et puis des petites choses. Bon, il y a des gens qui sont en pleine, en grosse transformation, les amis. Hein. Là, il y a des gens qui sortent de leur schéma karmique, transgénérationnel. Il y a des gens qui font table rase du passé. Il y a des personnes qui avaient un ancien souhait, des anciennes qu'ils avaient mis de côté. Et là, visiblement, il y a des personnes qui sortent des ennuis. Je ne sais pas si je ne vais pas rester par terre. Je trouve ça vachement bien. Je vois toutes mes cartes. Bon, bah écoutez, en tout cas, on va vers un grand bonheur. Hein, faites-moi confiance. Donc déjà, avec la fin de la relation brutale, là, bon, bah écoutez, la carte est inversée. Donc on va dire que le cœur se recolle. Hein, parce que vous allez ouvrir votre cœur à l'amour. Bon, ça concerne une chamane, hein. Il y a peut-être des gens qui vont aller voir des énergéticiens, en tout cas c'est ce que je vous recommande. Mais la carte 26 du grand bonheur, 26 c'est aussi Elohim. Donc en fait là, il y a des gens qui vont avoir un très très grand éclaircissement dans leur vie et ça va être l'abondance, hein, l'abondance totale et générale. Hein. Voilà. Donc si vous êtes déprimé, si tout va à volo, si vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui, bah dites-vous que là, vous êtes en train de cheminer, même dans le noir, vers l'interrupteur. Hein. L'interrupteur, c'est pour allumer. Hein. Donc là, bon bah là, écoutez, c'est les grandes eaux. Hein. Voilà, il y a des gens qui pleurent énormément. Mais bon, c'est très bien, mais on vous dit aussi de regarder en avant. Hein. Voyez, parce que peut-être que vous regardez des choses qui sont visiblement importantes pour vous, qui ont de la valeur, mais en fait, la valeur, elle est intrinsèque. Faut pas s'identifier aussi à ce que vous vivez. Et là, il y a des gens qui vont regarder en avant. Hein. Bon, là, parce qu'il y a eu, visiblement les grandes eaux, c'était à la pleine lune. Hein. Il y a des gens qui ont énormément libéré de choses par rapport à leur solitude aussi. Donc là, bon ben, il y avait une longue route, mais là, c'est fini, mes amis. La longue route, c'est passé. C'est passé parce que là, on va s'engager pour de bonnes raisons et on va vite comprendre en fait qu'on s'était mal engagé dans des situations parce qu'on avait eu une enfance difficile. Donc là, on va vers une indépendance. Hein, pour les hommes, ça va être une indépendance par rapport aux femmes. Et puis la troisième carte. Bon, ben là, vous allez recevoir une somme d'argent inespérée. Hein. Il y a des gens qui vont trouver un trésor. Ça peut être un trésor enfoui, ça peut être votre trésor intérieur. Ça peut être aussi, ben, voilà, vous allez, c'est par rapport à une séparation. Vous allez vous retrouver, en tout cas par rapport à. Bon voilà, de l'argent inespéré, c'est de la matérialité, c'est de l'énergie. Voilà, vous allez tomber peut-être sur quelqu'un, vous allez tomber sur un coffre-fort, vous allez tomber sur une occasion, en tout cas qui va être une occasion inespérée. 27, ça fait 9, donc c'est par rapport au passé. C'est par rapport au passé. Parce que vous allez pouvoir ouvrir les mains, ouvrir votre cœur. Et là, et visiblement, je vous dis, il y a des énergéticiens, il y a des psychologues. Allez vous faire de la digitopuncture. Mais bon, là, il faut ouvrir les chakras, hein, les amis. Hein, parce que là, c'est le moment. Hein. Donc voilà. Bon, il y a une grosse prise de conscience. Je vais finir.
Hop. Avec. Je connais pas mes tarots là. C'est l'oracle, je crois que c'est l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu de Tony Salernon. Mais j'aime bien cet oracle parce que il est. Alors, bon ben voilà, ben écoutez, c'est les ailes de la lumière, hein, ouvrez grand vos mains, hein, voilà. Nouvelle positive, donc vous allez recevoir des nouvelles positives. Bon, là c'est un peu bloqué quand même sur certains trucs. Et même si c'est des nouvelles négatives, ça va être extrêmement positif. Bon, un monde qui s'effondre, mais au moins avec un 3 de bâton, vous allez prendre des décisions. Les nouvelles connaissances, bon bah c'était pas ce que vous vouliez, visiblement ça vous a causé beaucoup d'ennuis, mais en tout cas vous allez avoir des nouvelles positives, voilà. Alors, des nouvelles positives sur un monde qui s'effondre, c'est très bien. Donc là, bon bah écoutez, on est sur le 8, hein, voyez, c'est 8, hein. Non, c'est 44, bon, excusez-moi, 44, ça fait 8, voilà. Donc, c'est l'éternité, voilà, donc en fait, on est sur des liens d'éternité, l'immortel présent, évidemment, l'immortel présent, c'est votre lumière intérieure. Donc, c'est intéressant parce que, vous voyez, on a 8 et on a 44, évidemment, qui est aussi, c'est aussi les anges, vous voyez, c'est un petit peu la même chose, là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est assez intéressant. Alors, où sont mes cartes? Voilà, deuxième carte. Donc là, on a Elohim, mais à l'envers. Donc, je vous avais dit carte numéro 26 tout à l'heure, avec le grand bonheur. Vous voyez, carte numéro 26. Eh bien, là, nous avons Elohim à l'envers, donc ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Et la carte va se retourner, ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui vont avoir une très grande clarté. Une énorme prise de conscience, hein, c'est l'ajna, c'est l'ouverture du troisième œil. Les sentiers de la lumière, mes amis, c'est les sentiers de la gloire. 4 et 3, 7, oui, ben, vous allez emprunter le chemin, évidemment, le chemin qui tranche, hein, le chemin du chariot, le chemin qui va vous faire avancer, ça va être votre lumière intérieure. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on va y être. Voilà, pour l'instant, c'est que c'est un peu comme l'alchimiste, hein, c'est ce qui va arriver. Et là, en fait, visiblement, c'est par rapport à une femme. Visiblement, il y a un cœur murmurant, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir doucement, petitement. Il y a une petite graine qui pousse. Évidemment, cette graine, c'est le choix par rapport à une femme. C'est pour ça, et visiblement, y a une histoire d'argent inespéré. Évidemment, c'est l'argent inespéré, c'est aussi l'abondance. Voilà, c'est aussi le grand bonheur. Voilà. Et donc, pour l'instant, en fait, les choses voilà, sont en train de se mettre en place. Visiblement, c'est un choix aussi par rapport à la fin, une femme avec laquelle vous avez eu une fin de relation brutale. Ça peut concerner une Annie Hall, vous voyez, une femme à qui vous repensez, qui faisait partie de votre passé. Voilà, et visiblement, vous traversez votre mental pour arriver vers ce choix. Hein. Et ça n'a pas l'air d'être facile parce que, je vous dis, avec le 6 de bâton, là, je veux dire, le choix, il va pas être simple. Et visiblement, il y a beaucoup de blocages. Il y a des blocages par rapport à vos amis, il y a des blocages par rapport à votre famille, il y a des blocages par rapport à des enfants ou un enfant qui vous coûte $1 million. Il y a des blocages par rapport au fait, eh bien, que vous avez une enfance difficile et puis vraisemblablement, vous n'étiez pas sur la bonne route. Enfin, voilà, c'est assez complexe. Alors, je vais prendre le tarot aborigène. Alors, bon, bah, écoutez, là, vous allez être en pleine période de création. Vous voyez, il y a encore des mains, hein, donc ça concerne
des personnes qui soit écrivent, soit sculptent, enfin, vous faites beaucoup de choses avec vos mains, vraisemblablement, et ça va être très positif. Voilà, donc il y a des gros processus de création. Ensuite, bon, ben, très clairement, vous êtes en train de cheminer vers une connexion spirituelle. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec la religion, hein. La religion, c'est une question de culture. La connexion spirituelle, évidemment, c'est votre connexion à votre être intérieur. Et ça correspond aussi à un ancien souhait, vraisemblablement. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que, bien, en tout cas, vous allez chercher vos diamants très très loin, hein, voyez, très très profondément, vraisemblablement. Donc voilà. Ensuite, alors là, on a des cérémonies rituelles qui sont à l'envers, voilà. Alors les cérémonies rituelles, eh bien vous allez les faire parce qu'il y a Elohim et les cérémonies rituelles. Donc il y a des gens, bon bah ils ont pas compris qu'il fallait prier, hein, donc vous allez comprendre petit à petit. Et vraisemblablement, ça va être votre engagement pour de bonnes raisons. Ça va être en tout cas un engagement par rapport à votre spiritualité. Et ça va vous décoller de votre enfance difficile et de toutes vos peurs et de toutes vos votre sacrifice en fait par rapport aux gens autour de vous. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas, mais on va y être, évidemment, parce que, évidemment, on est sur du violet, donc en fait, on est bien sur le chakra de la couronne qui est aussi inversé pour le moment, voyez. Parce que, bon, bah, la maison de Dieu met du temps à tomber, hein, mes amis, hein, voilà. Ensuite, alors là, j'ai deux cartes, hein, sur le cœur murmurant et sur les choix. Bon, bah, ça concerne en tout cas la sagesse des femmes et le Père Ciel. Donc, très clairement, à la pleine lune, en fait, il y a un homme qui va avoir une élévation. Hein, ça, ouais, là, c'est vraiment des hommes, hein, là, je vous le dis. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est par rapport à un choix, visiblement, par rapport à une femme. C'est un homme qui va avoir en fait une ouverture du cœur. C'est pour la pleine lune. Et visiblement, cette ouverture du cœur, ça va être fait par, bah, par quelqu'un en tout cas qui l'entoure. Ça peut être une chamane, une psychothérapeute, une masseuse, voilà, quelqu'un qui ouvre les chakras et qui a du magnétisme, mes amis. Et vraisemblablement, je vous dis, c'est. Il y a des personnes qui vont régler des histoires aussi par rapport en fait à leur transgénérationnel et par rapport à la façon dont peut-être ils ont été abandonnés ou la façon dont ils ont été éduqués. Voilà, c'est des personnes qui pouvaient ne pas voir leurs parents. Et vraisemblablement, vous allez beaucoup réfléchir par rapport à votre arbre transgénérationnel et ça va vous permettre en tout cas par rapport à cela, d'ouvrir votre cœur. Évidemment, chez les bouddhistes, le cœur, c'est évidemment le chakra du commandement, hein, c'est le chakra de la volonté. Donc voilà, donc il faut ouvrir son cœur, évidemment, pour pouvoir avancer dans sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'on a cette élévation, en tout cas, cette élévation spirituelle. Voilà, et puis, je vais faire. Ganesh, hein, puisque je vous ai mis. Bon, là, il est un peu recouvert, Ganesh. Hop, je vais l'enlever, maintenant que j'ai fini. Carte des priorités, mais elle est à l'envers. Donc, c'est la carte numéro 30. Donc là, on est sur Guimel. Donc, on est sur de l'hérédité. Donc, il y a des personnes qui sont en train de s'introspecter, en fait, par rapport à leur hérédité, par rapport à leur arbre transgénérationnel. Ça concerne aussi la sensualité, le rapport au corps.
Vous n'êtes pas encore dans, vous n'arrivez pas encore à définir vos priorités. C'est pour ça qu'en fait, on a les déplacements à l'envers aussi. Donc voilà. Alors, donc là, clairement, on est sur la quête spirituelle. On est sur la quête spirituelle par rapport à la carte numéro 16, qui est la carte de l'Aïn, qui est la carte de la maison Dieu, de l'œil, de Yézed et donc de la compassion. Donc en fait, on est avec des hommes en fait qui vont ou des femmes qui vont être plus dans la compassion. Vous êtes dans la recherche de la prise de conscience et de la destruction du soi. Vous êtes au bord du gouffre, au bord de l'abîme. Et évidemment, après l'abîme, eh bien, ce sera la spiritualité, mes amis. Et ce sera visiblement une bonne décision visiblement pour vous. Là en fait la carte, et eh bien évidemment la bénédiction, carte numéro 44, est à l'envers. Elle est à l'envers évidemment parce que vous vous posez beaucoup de questions. Il y a une personne autour de vous, visiblement, soit plusieurs personnes, soit une personne qui visiblement vous bloque. Qui vous a bloqué aussi dans le mental et vraisemblablement eh bien par rapport à cette bon la carte va se retourner mais visiblement vous aviez perdu on va dire votre protection on peut dire par rapport à des personnes qui vous entouraient. Voilà. Mais en tout cas, c'est comme la carte d'Elohim, c'est pareil, elle va se retourner parce que vous n'avez pas encore, ce que ça veut dire aussi la bénédiction, c'est que vous n'avez pas encore trouvé en fait votre chemin intérieur, votre chemin spirituel. Vous êtes en pleine recherche. Ensuite, eh bien oui, les ressources. Bon, bah pour les ressources, évidemment, c'est pour casser le mental, voyez, les ressources, eh bien, vous êtes en train de traverser des dissensions et vous êtes en train de comprendre vraisemblablement d'où ça vous vient, voilà, tous ces blocages, toute cette incapacité à agir, toute cette, c'est le fait que vous soyez toujours seul ou dans la solitude ou avec des nouvelles connaissances qui ne vous apportent que des ennuis, que des tracas ou que de la culpabilité, eh bien là, en tout cas, vraisemblablement, vous allez plonger profondément en vous-même pour trouver la solution à vos problèmes. Et votre ressource, évidemment, eh bien, c'est que la logique doit venir du cœur, mes amis. Voilà, et eh bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie. Vous pouvez aller regarder aussi les produits que j'ai mis en ligne sur mon site internet lotuspacha.com. À bientôt. Alors j'essaierai de faire des vidéos genre tous les jours, mais bon, si je saute une journée, m'en voulez pas. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a boosté pour aujourd'hui. Salut!